Ok, donc bonjour à tous et à toutes, donc c'est parti pour la suite de DMC4, l'épisode numéro 11, et oui, donc là, on est toujours avec Dante, donc ça va être le deuxième épisode qu'on va faire avec Dante. Donc là, en fait, on s'était arrêté devant une sorte de boss un peu chelou, je crois c'est avec ce charisme, vous voyez. Je crois qu'on s'était arrêté devant un boss. Je crois que c'était Echidna, je crois. Oui, c'est ça. Le retour du démon. Terrasser le dragon qui sème le mal dans la forêt. Oh là, ce charisme quand même. Ok, donc apparemment on va. Il pleut et tout. Voilà, donc en gros, on doit réaffronter Echidna, à mon avis. Attends, j'ai combien de... 3, 3... Ok. À mon avis, il y aura des mobs. Hein. Alors, est-ce que... Quel homme? En fait, tout simplement, il faut qu'on la détruise pour que on puisse en fait directement partir d'ici. C'est ça, hein? C'est un labyrinthe ou quoi là? Et ça se... Et c'est un sacré labyrinthe tout ça. Bon, on va aller ici parce qu'ils nous ont montré ça. Il tente un truc.
Ok. Ah, j'ai vraiment chaud sur ce coup-là. Ils nous mettent un blitz comme ça, pleine entrée là. Ok, donc c'est les TP un peu aléatoires. Ok, donc je vais sauter, il y aura un truc. Hein. Ah non. En fait, je suis con, j'aurais peut-être dû aller chercher ça dès le début, tu vois. Ça m'aurait évité que je me fasse niquer, tu vois. T'es sûr que c'est là déjà? Direct? Oh non. Ouais, de toute façon, je peux pas l'activer donc. T'es sûr que... J'ai peur de me retaper les fantômes de la dernière fois. Ok, donc là, c'était pas là. Donc ça doit être que là. Évidemment. Oh non. Pire zone. Ici, il peut y avoir des blitz. Oh là là. Yeah.
Oh, il est... Et il donne beaucoup de soins. Il donne pas mal de soins, donc ça c'est plutôt cool en vrai dans l'ensemble. Oh là, on le voit le petit pic là. Et c'est vraiment un enfer ces mobs. Oh là là, vraiment. T'as tout ça pour ça? Tout ça pour qu'après j'affronte l'autre là, le dragon serpent là. Oh non. Je me barre, je me casse de là. Mort, je me barre de là, hein. Je veux même plus avec eux.
Ça va où ça? Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'on avance un peu quoi. Oh, il donne un fragment bleu aussi. Mais non. Il a donné un fragment bleu. Plus un truc. Parce... Ah non, mais non, je suis con. Parce qu'en fait, j'avais déjà trois trucs, donc un fragment bleu, ça aurait rempli direct. Ok. Bah, c'est propre, en vrai. Ouais, c'est bon. Non, mais de toute façon, j'ai compris. Hein. J'ai compris, je vais devoir me retaper... les plaques avec les fantômes qui me faisaient chier la dernière fois. Ça, on l'avait compris déjà. Non mais du coup attends. T'as vu, mais vu que j'ai pas le pouvoir. C'est une blague, merci. Ah mais non, je suis con. Non mais c'est bon. Ici. Non mais je suis con. Putain, je croyais qu'en fait fallait me taper les fantômes, mais pas du tout. Oh non. Quoi? Quoi? La blague? En vrai, c'est bien parce que. Mais je comprends même pas pourquoi je suis allé dans cette zone-là alors que. Non, eux, je les esquive. Vu que je sais qu'il y en a là. Je suis un homme modeste. Je n'ai pas à m'affronter contre eux. Huh?
Attends quoi? Ah d'accord, ok j'ai compris. En fait t'as celui-là. Donc ça peut être là en fait. Mais... Ah ouais, donc il y a plusieurs choses en même temps. Et encore, il y a encore une phase de 3 là. Donc ne tombez pas dans les ténèbres. Donc je vais pas dans les ténèbres. Donc soit là, donc on va voir là. Mais Ok, bon, ça va, c'est pas fou quoi. Un appel parce que je me suis un peu précipité parce que je pensais que c'était un peu comme comme ce qu'on avait fait la dernière fois, mais en fait ça se trouve non, parce que là en fait tu vois que tu as deux choses en plus. Donc ils disent, pour sortir de cette forêt, ne tombez pas dans les ténèbres et faites preuve de respect. Là où il y a la lumière, il y a l'ombre, et l'ombre mène toujours vers les ténèbres. Donc déjà, ok, donc on va tester le verre. La lumière du soleil qui éclaire l'ensemble de la création illumine le chemin qui mène à votre futur. Tournez le dos à l'ombre et allez à droite devant vous. Tournez le dos à l'ombre. Bon, c'est quoi? J'ai envie de tenter celle qu'on est la toute de, le truc de tout début là, pour voir. Donc on va essayer de tenter là. J'essaie de refaire la même chose, on va voir si ça fonctionne ou pas. Bon, en tout cas là on a l'air, ça a l'air d'aller dans des autres zones, dans une nouvelle zone, non? Mais je suis perdu là. Ah bah ouais, non, c'était toujours ça en fait. J'aurais pas pensé. Ok. Je vais en prendre deux comme ça. Pour être bien. Bon, il y a une petite sauvegarde dans la voie en haut. Donc on croise les doigts pour gagner. Là normalement ça, on va l'affronter une autre fois, donc du coup elle sera beaucoup plus vénère. J'ai déjà fait le jeu, donc du coup je sais que en phase quand t'es en Dante, les mobs, enfin les boss, sont deux fois voire trois fois plus rapides. Et surtout qu'en plus avec la difficulté, on a vu Bael, il était assez rapide et assez chiant. Donc let's go. Donc ça va être chaud quoi. Je sens. En plus c'est pas la même mécanique que Nero. Your attention. I was beginning to feel a little ignored. You may jest, but the kindest fate I offer is to unify and spend eternity with a child of mine. Yeah!
as appealing as that sounds, I think I'll pass. Though a fight every now and then does make life a little more interesting, don't you think? C'est une maligne quand même. On va savoir. Oh, le con. J'aurais pas pensé qu'il y aurait une... Oh, je suis dégoûté en fait. Donc à one shot quasiment, presque. En fait, j'ai fait le con. Genre j'ai voulu esquiver mais je pensais qu'il y aurait pas de cooldown entre chaque esquive. Et il s'avère qu'il y a des cooldowns, carrément. Ah ouais, m'attendais pas à ça. Bon, concentration. Mais non, mais...
Ah oui, ils m'ont enlevé quand même deux cœurs. Ah dommage, j'aurais pensé. Ça fait mal, hein. Parfait. Une balle terminée. Oh là là, le charisme. Oh là là. Oh là là. Two to go. Alors Gilgamesh, arme diabolique qui absorbe la matière organique et la transforme en acier. Cette arme est incroyablement puissante.
Oh là là. Mais je veux pas ça, moi, je veux mon épée. Ah oui, d'accord. Ok. C'est cool. Non mais c'est cool. Comment ça s'est refermé là? Bah propre en fait. Bon, on a niqué quand même pas mal de trucs, mais... Donc du coup, c'est-à-dire qu'on a battu ça. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres trucs à niquer encore. Hein. Comme par exemple, on avait battu Berial, ensuite il y a Baël. Donc ça veut dire que du coup, on va être obligé de retourner dans... Je pense qu'on va faire Berial à la fin. C'est obligé. Donc là, on va faire sûrement Baël. Et ensuite, on fera directement l'autre. Ou soit, c'est elle. Et ensuite, on doit s'affronter encore à Agnus. Mais Agnus, je pense que ce sera peut-être à la fin. C'est possible. Vas-y, je vais regarder vite fait le trailer de la suite. Mission numéro 14. La forêt dévastée. Quittez la forêt et allez au vieux château de Fortuna. Et c'est donc Baël. Voilà, tout est dit. Donc château, qui dit château, Baël. Putain. On va affronter cet enfoiré. Oh non. Ce pont. Je m'en rappelle très bien. Bon, à vrai dire, s'ils me mettent des petits objets sympatoches, moi, je suis preneur. D'accord. Merde, c'est là. C'est pété. Genre les... Genre je peux revenir et repartir. Mais non, je peux pas le faire. Toute ma vie de toute façon elle est régénérée donc c'est cool. Hein? Hein? Comment ça? En tout cas, eux, ils donnent des trucs, hein. Et ils donnent des cœurs, en plus, hein. Parfait. Et en plus, eux, ils me redonnent de ma vie, donc c'est parfait. Oh non. Ah oui, il y a eux. Ok. Ah
Ah dommage. En fait moi je voulais récupérer le soin des vieilles tortues là. Mais voilà, c'est pas grave. Bon, vous savez quoi, on va s'arrêter là tout de suite pour l'épisode. Mais avant ça, j'ai envie de retourner dans le menu pour voir en fait c'est quoi comme mob. Parce que, à la bibliothèque. Parce qu'il y a un ennemi, je sais pas ce que c'est. Il y a un ennemi, je sais pas ce que c'est. Donc lui, tu vois, je l'ai rencontré, le méga Scarecrow. Mais il y avait autre chose là. Ah, ils l'ont pas marqué? Bah attends, c'est un boss ou quoi? Berial. Ok. Ah lui, c'est le sauveur. Ok. Donc ils l'ont pas marqué. Donc en gros, là on a battu elle. Bah là, juste là, dans cet épisode-là. La prochaine fois, vu que c'est au château, ça va être lui. Mais ce sera lui différemment parce que lui, on l'a déjà battu. C'est un autre. Donc je pense que ça va être Dagon, peut-être, son frère. Et ensuite, ça sera Berial, sûrement à la fin possible. Et dès qu'on a fait ça, après, ça va être sûrement lui, là. C'est possible. Bon, en tout cas, moi, je veux m'arrêter là. On verra ça, donc, la suite pour l'épisode numéro 12 de DMC4. En vrai, pour moi, c'était vraiment cool. Vraiment cool, vraiment cool. On a pu au moins affronter quelques trucs. On a fait un boss. On a avancé, tout simplement. Donc, je vais m'arrêter là. On verra ça, donc, une prochaine fois. Bye à tous.